d'abord remercier Laure, je ne sais plus où elle est, de son invitation. C'est un grand plaisir pour nous de venir chanter ici. En plus, elle m'a lancé un défi. Elle m'a dit « J'aime beaucoup la troisième leçon de ténèbres de Couperin. » Et on ne l'avait jamais faite dans la version Athénaïs, c'est-à-dire plusieurs chanteuses par voix, puisque à l'origine c'est pour deux sopranes et basse continue. Et là, vous allez l'entendre dans une version athénaïcienne, on va dire, avec trois voix par partie. Donc, ces leçons de ténèbres, elles s'organisent un peu autour de lettres. Vous allez entendre des lettres vocalisées et ensuite, il y a un texte. Et du coup, vous allez voir, ça va passer d'une voix à l'autre. Vous allez découvrir tous les timbres. Voilà, le camailleux, j'aime bien les appeler comme ça, un camailleux de soprano. Donc, cette leçon de ténèbres, en hommage à François Couperin, et puis dédicacée spécialement à l'heure. Oh.
a composé pour les voix de femmes. Le plein chant, c'est une sorte de chant grégorien, mais baroquisé, entre guillemets, et rendu accessible aux voix de femmes, parce que c'est très difficile de chanter du grégorien, ça nécessite énormément d'énergie tout le temps. Et donc, lui, il avait l'habitude des jeunes filles, et donc il a composé pour elles. Donc, le premier texte, Salve Regina, vous l'aurez d'abord en plein chant, et ensuite le même texte mis en musique par le grand Lully. Alors, on connaît bien sûr Lully comme compositeur de tragédie en musique, c'était lui le créateur quand même de cette forme, mais il a aussi beaucoup écrit de musique religieuse, évidemment avec grand effectif, orchestre, chœur, etc., mais également pour petite formation qui était donnée donc, à la Chapelle Royale, en petit comité, et c'est un Salve Regina à trois voix que vous entendrez, qui était donc chanté pas avec les grandes pompes, mais justement de manière intimiste. Et nous terminerons cette dédicace aux mamans par un Stabat Mater, évidemment, mais on a l'habitude d'entendre un Stabat Mater en tonalité mineure, c'est un peu triste, etc. Et là, c'est Marc-Antoine Charpentier qui l'a composé, et il l'a composé en si bémol majeur, qui est une tonalité très lumineuse. Je pense qu'il a vu derrière la Vierge en douleur quand même toute la fierté qu'elle avait d'être la mère de Jésus et que sa douleur allait être sublimée par son fils. Je vous laisse écouter donc en premier Guillaume Gabriel Nivert, ensuite Lully et pour terminer cette partie Marc-Antoine Charpentier. Mater.
romain qui a tenté de faire une carrière à Paris. Il a essayé, mais ça ne s'est pas bien passé parce que évidemment il y avait l'ombre de Lully qui régnait sur la cour. Et donc il est passé et puis il est retourné à Rome pour finir bon, quand même à Saint-Pierre. Donc c'était quand même bien. C'était quand même bien. Mais il a donc essayé d'écrire un peu dans le style français. Et donc à ce sujet, je pense que vous devez vous demander en quelle langue on chante, enfin elle chante, parce que c'est une façon de chanter le latin qui est un peu spéciale, et c'est celle qu'on utilisait à l'époque de la musique qu'on vous interprète. Et ça jusqu'à au Requiem de Forêt qu'on devrait également chanter comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle le latin à la française, donc on le prononce le latin comme le français. Et on a encore des traces dans le français d'aujourd'hui. Par exemple, vous dites un curriculum vitae et un aquarium. Donc voilà, on a encore cette façon de prononcer maintenant sur certains mots. Donc c'est une prononciation tout à fait particulière et très, très limpide, très claire. Un peu comme les tableaux de l'époque. Hein, si vous voyez un tableau de Philippe de Champaigne, par exemple, avec des bleus très vifs, des roses très vifs, des jaunes très vifs, et ben, vous avez un peu la même chose avec les us à la place des us. Et toutes ces voyelles très, très ouvertes. Donc on va continuer avec Paolo Lorenzani, O quam suavis est domine, et puis on terminera par un Tantum ergo. Alors le Tantum ergo de Couperin, normalement il est composé pour deux voix de femme et une voix d'homme, et là bon, on n'avait pas d'homme, donc, mais on a des femmes qui chantent un peu grave, qu'on appelle donc les... Vous avez vu qu'il y a au-dessus, dessus et bas-dessus. Voilà, Dorothée et Laura sont bas-dessus. Et ça se faisait beaucoup à l'époque parce que bon, dans les monastères, évidemment, il n'y avait que des femmes. Donc comment faire pour chanter ces parties-là? Et souvent on faisait chanter ces parties-là par des voix qui avaient des voix graves de femmes. Donc vous allez entendre. Alors, Couperin ne l'a pas demandé expressément, c'est moi qui ai décidé de le faire. Mais parce que cette musique est tellement belle, je me suis dit quel dommage qu'on ne puisse pas faire ça avec Athénaïs. Donc vous nous direz après